Ah, salut les gens, comme annoncé, je vous présente la petite borne d'arcade que j'ai construite. Donc ça m'a pris à peu près une cinquantaine d'heures pour finir ça. Du coup, j'ai ressorti aussi toutes mes vieilles consoles en mode rétro. Donc on va parler un petit peu de la bête. Alors déjà, le caisson, pour tout ce qui entoure la machine. En fait, je me suis pas pris la tête, j'ai récupéré un ancien rack DJ. Voilà, en fait, il va dans l'autre sens. Et un rack DJ 19 pouces. Dedans, j'ai intégré un HP20. Voilà, on voit encore le logo là. Donc, c'est un PC tout intégré. Fait 19 pouces. Donc, ça rentre parfaitement dedans. Devant, j'ai mis un petit du plexiglas, histoire de finir, faire plus propre. Il y a un petit panel que j'ai construit avec des boutons. C'est une plaque de bois que j'ai percée. J'ai passé mon stick et mes petits boutons. Tout ça, c'est relié à un encodeur USB qui en fait transmet les fonctions, les touches quand on appuie. Voilà, là par exemple, j'appuie sur la touche retour, ça me fait revenir au menu. Et par exemple, je peux choisir les différents jeux que j'ai installés par-dessus. Et après, ça me charge la console avec l'émulateur et le jeu correspondant. Voilà. Là, on a le marquis. Alors, c'est ce qui nous fait la lumière. Dessus, il y a un petit ampli avec un peu de déco. Donc, ça, comment j'ai fait? C'est un petit caisson en bois. On va décaler ça. On va vous montrer l'intérieur. Alors dedans il y a quoi? Il y a une bande de LED. Il y a deux enceintes focales que j'ai récupérées. Et le devant, c'est en fait c'est une plaque en PVC imprimée. Voilà, je trouve ça bien. Dans la bête, dans le caisson, ben, j'ai mis le clavier. Voilà. On ne sait jamais s'il faut faire un petit peu de maintenance informatique. On n'a pas besoin de rebrancher. On peut tout laisser dedans et le sortir. J'ai laissé la souris dépasser aussi. En ce moment, je suis en train d'installer pas mal d'émulateurs. Voilà. Bon, l'intérieur, c'est du câble. Ça, on s'en fout. Hop. Puis voilà. Donc, un peu les plantes qui ont repris la place avec. Ça, c'est une dernière construction par mon cousin. Du 3D imprimé que j'ai peint et j'ai intégré une plante dedans. Big up à lui. Moi, je trouve ça classe. Donc voilà, à l'intérieur du caisson, il y a une multiprise avec un interrupteur déporté. Ça me permet de tout allumer en même temps et de tout éteindre proprement. Voilà, comme ça, je vais pas me prendre la tête. Et sinon, bon, on va faire un petit tour sur les vieilles consoles que j'ai ressorties. Donc là, c'est espace Mega Drive avec plein de jeux. Mega Drive, Mega CD. Voilà, avec quelques jeux dedans. Ah, c'est des perles à mât. Moi, je me suis mis à fabriquer des conneries comme ça aussi. Hein. Hop. Espace Master System. La première console que j'ai eue. Là, il y a des jeux de Saturn. Et en bas, c'est l'espace Super Nintendo. Avec pareil. Ah, la perle à mât. Un petit Mario. Il est cool. Plein de jeux de Super Nintendo, un petit peu des jeux PC au fond. Ah, les WoW. Voilà. Des magazines. Voilà les gens. Ben, c'est de quoi occuper. Sachant que. Qu'est-ce que j'ai acheté? Les seuls frais que j'ai eu, ben, ça a été pour le stick, les boutons. Après le reste, ça a été de la récup. Hein. Ça, par contre, le marquis, je l'ai fait imprimer. L'ampli, je l'ai eu à 6 euros. Voilà, big up les Chinois. Et les enceintes, c'est de la récup. Voilà, en gros, il y en a eu pour 100 euros d'investissement. 100 euros d'investissement, c'est Counter. Voilà, il y a 3 000-4 000 jeux et je suis en train de trier ça proprement. Voilà les gens, ben, laissez vos retours et j'espère que ça vous aura plu. Allez, à bientôt, ciao.